Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, aujourd'hui, nous sommes le 9 février 2024. C'est avec joie et un réel plaisir que je viens encore une fois de plus, après quelques jours de silence où nous nous sommes tus à cause des événements qui se déchaînaient. Il était un peu difficile pour nous de catch up, comme on dit en anglais, avec l'actualité qui était abondante. Et aujourd'hui, nous approchons la fin de la semaine. C'est vraiment quelque chose que je tenais à ce que je puisse manifester quand même ma présence pour vous dire qu'il y a des choses avec que nous devons parler et que nous devons discuter. Et ces choses-là, je veux que nous en parlions aujourd'hui. Je voulais assez que je puisse avoir, en tout cas, beaucoup plus d'éclaircissement sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à m'appeler, à me poser des questions, mais Germain, où est-ce que tu es passé? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà Goma qui va tomber. Et donc, depuis lundi, pratiquement, il y a des messages. Vous êtes nombreux à m'appeler et je ne cesse de me dire que je voudrais un peu garder un peu mais garder un peu pour essayer un peu de ne pas tomber dans ce que nous appelons l'erreur et que je viens vous dire des choses, que demain la situation change et que nous ne sommes pas sûrs effectivement de ce que nous sommes en train de raconter. C'est comme cela que nous nous sommes dit, nous allons prendre un petit temps de recul pour voir un peu la situation, comment elle va. Mais telle que la situation continue à évoluer, à l'est, les choses ne sont pas tellement très bien. Mais qu'est-ce que nous allons parler? Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu de tourner tout autour du pot la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc à Goma et ses environs et la menace que je vous avais dit la semaine passée que la ville de Goma était presque en faillite, quoi. Donc presque dans le main du M23. Alors, la situation a évolué, les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement que le M23 n'a pas pu. Ce qu'on peut dire, est-ce que le M23 n'a pas pu ou bien n'a pas voulu conquérir Goma? Nous avons lu tous dans le réseau qu'il y a un communiqué qui est associé au M23, les gens, d'autres personnes disent que non, d'autres personnes disent que c'est faux, ce n'est pas eux. Qui disait ce communiqué-là, il dit que le M23 n'a pas l'intention de prendre Goma. Est-ce vrai? Mais jusque-là, nous n'avons pas encore entendu cela dans la bouche autorisée de cette rébellion M23. Donc, on n'a pas encore une autorité du M23 sortir sur le média comme Willy Ngomba a toujours l'habitude de sortir dans le média en disant « Bon, voilà, nous avons fait ceci, tout ça. » Mais, par contre, nous avions vu sur le terrain, nous parlons de ce que nous voyons sur les réseaux, il paraît-il que donc, les gens ont commencé à quitter Ishasha ou bien c'est quelle ville là où il y a eu beaucoup d'afflux, où les gens quittaient pour Goma et Minova et tout ça. Toutes ces histoires-là, il y a eu en tout cas beaucoup trop de chambardements là-bas. Bon, d'autre part, on nous montre les Sukhoi qui ont bombardé les collines. On nous balance des images avec les Wazalendo qui sont partis dans une mission de reconnaissance pour voir si les Sukhoi avaient atteint leurs objectifs. On nous montre certains corps, des images un peu chaotiques, puis très choquants, les morts, tout ça. Et là, ça nous a fait quand même du mal en disant, bon, est-ce que c'est comme ça? C'est ça vraiment qu'il faut gérer notre guerre? Dans d'autres pays, en principe, ce sont des choses qui sont pratiquement top secret. On ne peut pas permettre à qui que ce soit d'aller filmer bonnement comme ça les morts.
Et ça, je crois que dans la Convention de Genève, même s'il y a quoi que ce soit, c'est pratiquement interdit dans cette convention-là. Qu'il y ait des gens qui vont filmer, ils se donnent à filmer les corps, il y a eu ceci, tout ça. Pendant la guerre, je crois qu'il y a une certaine gestion des images. Voilà encore là où nous avions failli. C'est ça que moi je me dis, la réaction d'aujourd'hui va consister. Bien sûr, on va parler aussi des positions des uns et des autres, du M23 et puis la position de Kinshasa et tout ce que nous apprenons sur l'Amérique. Nous avons vu une certaine partie de la population à Kinshasa qui marche contre les États-Unis, disons, qui marche à l'ambassade, disons, manifester devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour réclamer quoi? Dire que non, il faut qu'on puisse mettre la pression au Rwanda de quitter absolument le sol congolais. Pourquoi ça? Parce qu'il y a eu, selon toujours les réseaux sociaux, où nous avons vu des communiqués. Après le communiqué du M23, le Congo aussi, à Kinshasa, on nous parle qu'il y a une certaine brèche, qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour que finalement le M23 puisse parler avec Félix Tshisekedi. Et que le M23, on l'a donné, disons, Félix Tshisekedi a donné ses conditions. S'il peut y avoir négociation ou bien dialogue, il faudrait que le Rwanda puisse cesser de soutenir le M23. Ça, c'est ce que Kinshasa a mis comme condition. Maintenant, prenons chaque partie pour vous dire ce que nous pensons. Parce que vos questions ont été vraiment multiples. D'abord, avant de poursuivre, je vais demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne de vous abonner, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vos abonnements. J'ai remarqué que ces derniers temps, il y a une certaine relâchement. Vous n'aviez plus fait ce qu'on faisait, je ne sais pas pourquoi. Et je continue à me poser comme question, est-ce que c'est à cause de nos titres ou quoi que ce soit? Les sujets ne vous intéressent plus. Mais nous avons vu une certaine relâchement. C'est pour cela que je me dis, peut-être parce que nous ne sommes plus réguliers comme d'habitude, mais je vous demande quand même de vous abonner et partager nos émissions. Parce que, souvenez-vous que Contact Pro Life, nous faisons des réflexions et nous réagissons sur les actualités. Et ici, nous sommes du côté des gens qui donnent la solution. Nous proposons la solution dans toutes nos vidéos. Et donc, si vous décidez à me suivre, suivez mon point de vue, pas ce que les gens racontent, mais ce que moi je pense de la solution qui peut être appliquée à la situation dont nous vivons en République démocratique du Congo. Donc, c'est un peu ça quoi. Donc, la première des choses que nous allons voir d'abord, c'est la position de Kinshasa. La position de Kinshasa, à un certain moment, a été radicale après avoir pris des mauvaises décisions. Parce que je pense que les mauvaises décisions que depuis 2019, nous ne cessons de dire à Félix Tshisekedi, pour terminer la guerre à l'Est et l'insécurité, surtout à l'Est de la République démocratique du Congo, ça, ce n'est pas question d'aller causer avec quelqu'un. Ce n'est pas question d'aller causer avec quelqu'un. Vous n'êtes pas roi, vous n'êtes pas, même si vous êtes président de la République, mais la situation telle qu'elle est vécue à l'Est de la République démocratique du Congo, il s'en sort qu'il y a des choses que nous devons absolument tous nous mettre d'accord. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité, il faudrait que nous puissions nous organiser pour que nous puissions résoudre les problèmes importants. Le problème qui nous fait causer à ce que la situation reste volatile à l'Est de la République démocratique du Congo. Et quels sont ces problèmes-là? Le grand problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est la gestion même de notre pays. La gestion de la République démocratique du Congo, l'État congolais. La gestion de cet État-là cause problème. La gestion de nos institutions cause problème. Il y a trop d'amateurisme dans la gestion de notre pays. Ça, c'est ça le grand problème. Donc, dans cette première partie, où nous parlons un peu de ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, retenons d'abord qu'il y a un problème de la gestion des institutions qui ne fonctionnent pas bien
Et que il y a une certaine amateurisme, un laisser-aller. Nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous appelons la gestion globale de la République démocratique du Congo. C'est ça qui résulte, d'une certaine manière, à qu'il y ait des gens qui ne sont pas mécontents, qui ne sont pas contents. Le peuple congolais ne se retrouve pas à l'est de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais vit dans une obscurantisme ou dans un élan où on se pose la question, avons-nous un gouvernement? Est-ce que nous sommes dirigés par des gens crédibles? C'est ça le grand problème qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe exactement en République démocratique du Congo? Y a-t-il vraiment un gouvernement responsable? Est-ce que les gens qui sont à la tête de notre pays sont-ils légitimes? Quelles sont les fonctions, quels sont les problèmes qui causent à ce que les gens ne s'entendent pas? Et comment est-ce, ça, ce sont là les problèmes, je vous l'énumère. Et moi, c'est ce que moi je pense que c'est à cela que nous devrions nous atteler à résoudre d'abord la gestion globale de notre pays. Et la gestion globale de notre pays commence par quoi? Ça commence par l'état civil, à reconnaître d'abord les Congolais, à répertorier les Congolais. Nous n'avons jamais eu ça. Nous avons des gouverneurs de province, mais qui n'ont pas pratiquement d'autorité. Nous avons des institutions qui n'ont pas d'autorité. Regardez comment est-ce qu'un gouverneur déchu par l'Assemblée provinciale et qui est réhabilité par la Cour constitutionnelle à Kinshasa. Donc il y a une certaine animosité dans le fonctionnement et même animosité dans l'application de la constitution de notre pays. Et donc c'est par là qu'il faut commencer à résoudre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'est de la République démocratique du Congo, les rébellions, les groupes armés, qu'est-ce qu'ils réclament officiellement? À part que les groupes armés sont de main séculière de tous ces grands Bwana ou tous ces militaires qui sont dans l'armée, qui leurs objectifs ce n'est pas tuer les Congolais, mais les groupes armés ont été créés justement pour se donner du travail, pour se servir. Se servir comment? Se servir dans les minerais. Le trafic illicite de nos minerais. Et donc, chaque général a un groupe armé. Chaque ministre a un groupe armé, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez comment est-ce que le problème se trouve être un problème général de la République démocratique du Congo. Donc, si on ne s'attelle pas à résoudre ça, ça sera difficile à ce que nous puissions terminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous nous disons, réfléchissons d'abord comment est-ce que nous pouvons terminer. Mais maintenant, nous sommes en guerre. Il y a quelqu'un avec qui nous causions avec, sur les multiples plateformes X comme dans l'espèce et tout ça. Il m'a posé la question de savoir, Germain, tu dis bien la rétrocession du pouvoir à la base, mais aujourd'hui, nous avons la guerre. Qu'est-ce que Tshisekedi va discuter avec ces gens-là? Parce qu'il y a une position radicale de Kinshasa qui a été déjà lancée dans la population et la population ne veut plus entendre d'un certain dialogue. La population, tout le monde, et ces gens-là me posent la question, « Togosolola nani, naba nani, togosolola nini ?» Il est interdit à tout Congolais de prendre les armes pour réclamer ses droits, selon eux. Tokosololana nani, naba nani, tokosolola nini. Ah, alors moi je me suis posé comme question, est-ce que les M23 n'ont-ils pas des revendications? Est-ce que ces revendications-là passent tout simplement à ce groupe-là ethnique de Batusi ou bien de Banyamulenge? D'abord, la guerre n'est pas à Moulengue. La guerre se trouve au nord Kivu. On dit qu'on est en train de tuer les populations à l'est.
Parmi tous ces gens qui font le backup de ce M23, le Rwanda réclame que le FARDC utilise les Interahamwe, les FDLR, qui sont une menace pour le Rwanda. Comment est-ce que nous pouvons résoudre, comment est-ce que nous pouvons rassurer les Rwandais que nous ne travaillons pas, dans notre armée, il n'y a pas des FDLR. Même si aujourd'hui, que ça peut être un motif banal, parce que nous n'avons jamais vu les FDLR aller attaquer quelque part au Rwanda, nous n'avons jamais vu ça. Mais tandis qu'en Ouganda, on a créé une certaine machination en disant que non, les ADF font des incursions en Ouganda. C'est ça qui justifie l'Ouganda de venir chez nous. Ça, ce sont des faux fuyants. Et nous, les Congolais, nous ne voulons pas comprendre ça. Pourquoi nous ne voulons pas comprendre ça? Parce que nous n'avons pas de solution à dissocier les Interahamwe, les FDLR et les ADF. Nous ne savons pas, nous n'avons pas une certaine politique pour que nous puissions rassurer nos voisins. Nous n'avons pas. C'est comme ça que je dis, soyons véridiques, mes frères amis. Ça, c'est un sujet que eux, le M23, avec leurs parrains, vont mettre sur la table en disant, bon, voici, vous êtes en train de travailler. Rappelez-vous que Kabila avait demandé au Rwanda de venir traquer lui-même le chef de l'air. Y a-t-il eu des solutions? Non. Vous voyez que cette histoire-là, c'est une affaire pratiquement économique. Le Rwanda a trompé certains citoyens congolais pour lui accompagner dans cette guerre, afin que nous-mêmes, les Congolais, nous puissions nous battre. C'est ça justement le problème. Ils en ont profité. Les Rwandais en profitent parce que nous sommes en désordre. L'État congolais, comme je vous ai dit là, n'est pas à mesure de gérer la population congolaise en disant « Ici, nous sommes par exemple 100 millions. Et dans les 100 millions, nous ne voyons pas qui que ce soit, qui est congolais et qui ne l'est pas. Nous ne connaissons pas. » Et c'est ça la route. Njo racine, il y a mal, il y a gouvernement, il y a tout qu'on y a du chinois. Nous devons accepter ça. Chaque jour ici, je me dis, le problème se trouve chez nous. Et donc là, Tshisekedi va être comme un dindon de farce. Il a, comme je vous ai dit, il a lancé cette histoire-là en République, dans la population, en disant, nous allons faire la guerre au Rwanda. Vous allez faire la guerre au Rwanda, quoi? Qu'est-ce que le Rwanda fait? Parce que le Rwanda fait le backup du M23, terminer d'abord avec le M23. Bon, si les sinan en tant qu'obéta M23, t'es bogolobi bo kendo beta Rwanda. Bon, beta nan ou M23, bon, si les sabango, bon, qu'on fasse ce que Mouzé avait dit. Nous chassons ces Rwandais-là, nous les remettons là où on va dans la guerre. On va dans la guerre avec la guerre au Rwanda. Et le Rwanda a refusé catégoriquement que la guerre puisse être sur son territoire. Mais nous n'avons pas ce moyen-là. C'est ce que je suis en train de dire tout le temps. Et c'est par là que je dis que Tshisekedi est en train de se mentir. Azomi Kosa, ça, il se leurre pour rien inutilement. Ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train de se leurrer, il est en train de se masturber la face de son intellectuel en disant qu'il va faire la guerre au Rwanda. Vous n'avez pas encore terminé, vous n'êtes pas en mesure de terminer avec le M23. Vous appelez d'ailleurs d'autres forces à l'extérieur pour venir vous aider à terminer une petite rébellion. Et vous allez vous mettre... Il y a un peu de temps dans le lobby, mais dissouper le peuple congolais, tout ça, vraiment naïf. Hein? Comment Moutouyo, Kokiko, Bokola, Sosote, Olingyo, Bokola, Ngombe? Nous avons une certaine manière de penser, je ne sais pas si nous, c'est par la foi ou bien c'est par quoi que ce soit. En tout cas, je me pose cette question-là. Parfois, je ne trouve pas de réponse. Nous sommes en train d'appeler la MONUSCO, tout ça, pour venir terminer une petite rébellion qui nous occupe là pendant 2 ans. Et là, nous nous disons que nous allons faire la guerre au Rwanda. Soyons quand même sérieux. C'est comme ça que j'ai dit que le mensonge continue toujours du côté de Kinshasa. Félix continue à mentir le peuple congolais. Terminez d'abord cette guerre-là. Kanga Batouana, Bango, Soko Silisi, Angolobi, bon, maintenant nous allons attaquer le Rwanda. Mais comme il y a une guerre verbale,
Nous allons vous montrer, nous allons faire ceci, nous allons faire, et vous ne faites absolument rien. C'est un peu ça que je voulais un peu vous rassurer que Tozolanda Masolo et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette guerre. Entre-temps, continuez à vous abonner, partagez aussi cette émission-là. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça que ce qui se passe, c'est que nous pensons que Makamboza Kusala. Entre-temps, nous apprenons par nos câbles que ce n'est pas encore fini parce que cette dialogue-là que Kinshasa commence maintenant à chercher va évoluer peut-être jusque vers la semaine, la première semaine, disons la semaine du mi-février, où c'est programmé, ce n'est pas encore certain, je dis encore au conditionnel. Sinon, si ça cale encore, c'est dès lors que la ville de Goma pourra tomber. Parce qu'à ce moment où nous vous parlons, le M23, selon eux, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je dis, il paraîtrait que le M23 a la main mise sur la ville de Goma. Vous aviez vu que les Sukhoi ne sont plus à Goma, les Sukhoi sont basés maintenant à Kavumu. Et c'est comme ça que, comme ils se sont dit, nous allons commencer un peu à avancer vers Kavumu et tout ça. Ça, ce sont des petits scoops que je vous annonce ici, mais je ne suis pas en principe autorisé à les dire. Voilà un peu, chers amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour vous dire que nous sommes toujours sur les réseaux, mais nous sommes en train de travailler sur un projet. C'est ce qui fait que nous n'avons pas assez beaucoup de temps. Disons, nous avons des temps, mais nous les distribuons aussi à faire ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez même l'environnement dans lequel nous avons fait cette émission aujourd'hui. Ce n'est pas l'environnement de tous les jours ou quoi que ce soit. Donc, nous sommes un peu occupés. C'est pour cela que vous voyez un peu qui est intermittence. Ce travail que nous sommes en train de faire, c'est justement pour relancer avec les émissions live de tous les samedis. Et puis, il y a une autre tranche aussi que nous sommes en train... je crois prochainement, je vais vous donner un peu une idée sur ce que nous sommes en train de travailler pour le 2024. Voilà. Donc, portez-vous bien. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. N'oubliez pas surtout de partager et de vous abonner si vous étiez là pour la première fois. Au revoir.